appelée ? Oui, chérie. Est-ce que tu t'es réveillée ? Hey, je crois qu'il est encore en train de dormir. Jusqu'à 7 heures. Hey, désolé mon amour. J'étais allée puiser de l'eau, j'ai oublié de me réveiller. Attends, Non, c'est bon. C'est bon. Je vais faire ça, d'accord ? À mon retour, je vais continuer avec les bois de chauffage. Désolé. Non, c'est chérie. C'est bon. C'est bon. Continue. Merci. C'est bon. Hey. Comme si tes pieds deviennent plus grands que tes chaussures. Mon amour, papa, c'est entré quand même. Ma meilleure du monde. Tu es très belle ce matin. Merci. Tu n'as cessé de me le dire depuis nos 2 ans de rencontre. Et tu deviens encore de plus en plus belle. Ton affection adoucit cette beauté. Maman, je suis en retard pour l'école. Mon garçon, allez, ta mère est resplendissante, hey, n'est-ce pas vrai? Arrête mon amour, l'enfant doit être à l'école. Comment vas-tu? Écoute, très bien. Laisse-moi vous dire. C'est toujours que vous avez l'air des gens qui viennent se marier. Ce mariage est toujours vrai dans vos cœurs. Et c'est ça ma joie. Merci, maman. Merci. Très bien. Mon garçon? Ah, allez, viens, tu es en retard pour l'école. N'oublie pas que maman t'aime, d'accord? Très bien, chérie. À plus. Très bien, bien. Maman. À plus. Prends soin de toi, mon allons-y, bébé. Maman. Au revoir. Très bien. Allons-y. Maman, on va à la maison, je vais te servir à manger. C'est Aniao. Ah, bonjour la belle Liliane. Ah. Oh, tu as l'air tellement belle dans cette robe. Merci beaucoup, monsieur. Okay. Ah, vous étiez en voyage? J'étais partie voir mon fils qui a récemment eu sa licence en économie. Oh, waouh, c'est génial. Première classe. Oh, mon Dieu. Félicitations. Merci, fils. Merci. Liliane. Vas-tu rester là toute la journée? Sérieux? Tu ne sais pas que je suis en retard pour le boulot, sérieusement? Bonjour, monsieur Ebuka. Comme tu ne veux pas me saluer, moi je vais te saluer. C'est quoi encore ces comportements? Hein? Bonjour, Ebuka. Monsieur Nyao, je vous prie. J'ai très bien vérifié, j'ai payé mon loyer. Et je ne vous dois aucune salutation, absolument pas. Tu continues de rester là, je vais te laisser et partir pas. Au travail. Ton mari veut que tu partes. Oui. Il s'inquiète toujours. Bonne journée, messieurs. Ne t'inquiète pas, tu es une monsieur. Jolie fille. Merci beaucoup, messieurs. Je ne sais pas de quoi tu fais toujours avec ce vieil homme. Je ne comprends pas ce que toi et ce vieil homme avaient dans cette parcelle. Je t'ai épousé à cause de ce vieil homme, c'est ça? Franchement, c'est inacceptable. Juste, laisse-moi tranquille. Écoute-moi très bien. Crier ne va pas t'aider. Va dans la chambre et change une autre robe. Et qu'est-ce qu'il y a de mal avec ce que j'ai mis? Tu te plains toujours de mon accoutrement. Qu'est-ce qui ne va pas avec ma robe? Abigail, je suis ton mari.
Et j'insiste que tu ne vas pas t'habiller comme ça. Quitter cette maison habillée ainsi, tu ne peux pas. J'insiste, va à l'intérieur et mets quelque chose de plus décent, convenable à une femme mariée que tu es. Mais où est le mal de cette idée mauvaise concernant ton habillement? Ne vois-tu pas? Aussi décente. Qu'est-ce que tu vas voir avec toi? J'ai dit, va dans la chambre et change ça. Ce n'est pas difficile que ça. J'ai dit non. Viens, Nassou, regarde-moi. La tenue. N'oublie pas que nous sommes à un monde moderne. Y a-t-il un problème avec ça? Eh bien, il n'y a rien de mal dans ce que tu portes. Merci. Je te le dis. Mais ton mari insiste à ce que tu changes de vêtements. Pourquoi ne pas mettre fin à la discussion? Merci, mon bien-aimé frère. Que Dieu te bénisse. Je veux que tu t'aies avec moi. Abigail, regarde l'heure. Je suis pressé pour aller au boulot. Veux-tu juste être une femme soumise d'aller dans la chambre et chercher un autre habit qu'on aille au boulot? Ou bien tu veux que je te force de le faire? Si j'arrive au boulot en retard, ce sera à cause de toi. Et pour ton information, je vais fermer cette boutique. Mais qu'est-ce qui ne va pas avec vous? Où est le mal avec toi? S'il te plaît, pars. Changez à quelque chose qui sera bien, qui va représenter une très bonne femme mariée comme toi. Merci, bonne fille. N'importe quoi. Peux-tu imaginer cela? Je sais pas où. Umbuku et Bétier, peu importe combien elles sont belles, les filles. Tu dois découvrir partout. On ne doit pas voir une seule partie de ton corps. Oh, oui. Enfin, tu as raison. Il faut utiliser. Et comment on appelle ça encore? Hein? Les mots qu'ils utilisent, moi, je ne comprends pas. Je ne comprends pas du tout. Il faut être soumise. Très bien, ne dis rien dans ce cas. N'ose pas dire quoi que ce soit. Surtout que garde bien silence. Je ne comprends pas ce que tu as toujours avec cet homme-là. Je ne comprends pas cela. Très bien, ne dis rien dans ce cas. Ne dis absolument rien jusqu'à ce que je rapporte ce problème à tes parents. Exact. Tu penses que je t'ai poussé pour que tu rendes mon bailleur heureux? Tu vas m'expliquer ce que toi et ce vieil homme-là avaient. Qu'est-ce que tu as en commun avec ce vieil homme? Qu'est-ce que tu as en commun avec ce vieil homme-là? Quoi? Ah donc voilà que tu dis absolument rien. Tu me fais passer pour un fou, n'est-ce pas? Je délire, n'est-ce pas? Je délire, tu crois que je sais pas ce que je vais dire quand tu gardes silence, n'est-ce pas? Tu crois que je sais pas ce que ton silence veut dire? Je te parle, voilà que tu gardes silence. Je suis en train de te parler, voilà que tu gardes silence. Ne t'en fais pas, c'est bien. Reste comme ça. Ma très belle femme, même pas un câlin, encore moins un bisou. Peu importe, je serai là à 17h30 pour te ramener à la maison. T'inquiète, je rentrerai toute seule. Je n'importe quoi. C'est pas grave. Fâche-toi. Hein? Aussi longtemps que tu t'habilles proprement comme une Igbo africaine, décemment. Décemment. Parfait. Je suis stressé, mon cher frère. Pourquoi es-tu stressé? Vois-tu, je ne sais pas ce que ma femme est en train de faire. Je ne sais pas si elle est en train de le faire intentionnellement. Ou bien si elle ne le sait pas. Genre, serait-ce par ignorance?
ou bien c'est intentionnellement qu'elle est en train de me faire ceci. Non, mon frère, ne parle même pas d'ignorance, parce qu'elle sait très bien ce qu'elle fait. Cette femme sait ce qu'elle fait. Elle sait ce qu'elle fait? Oui. Elle sait ce qu'elle fait, genre, elle me dit bonjour à moi le matin, pendant qu'elle va également saluer mon bailleur en disant bonjour. Le même bonjour chérie ou bonjour seulement, je comprends pas. Comment doit-elle saluer mon bailleur en disant salut, bonjour? Salut les gars. Oh, Vin, c'est comment? Quoi de neuf? Quoi de neuf, bon? Pourquoi tu es en retard comme ça? Mes frères, et c'est ma femme. Ta femme encore? Qu'est-ce qui s'est passé? Abigail ne comprend pas. Oh, attends. Elle attends. Me donne vraiment les mots de tête. Il faut que tu entres, le directeur est déjà arrivé. Tu veux dire, monsieur Marie est déjà au bureau? Oui, déjà, il faut déjà entrer. Vas-y, non? Ah. Mon cher ami, tu sais, j'espère juste que ces femmes ne vont pas nous faire perdre notre travail un jour. Allô, monsieur? Oui, monsieur. Oui, avez-vous déjà envoyé? Est-ce que vous l'appréciez? Exactement ce que je me demandais. Un instant. Oui, entrez. Oh, très bien, monsieur. Je vous rappelle après, d'accord? Merci beaucoup, monsieur. Je suis content de l'appel. Ok, d'accord. Oui, qu'est-ce qui se passe? Bonjour, messieurs. Bonjour. Cette lettre est pour vous, monsieur. Oh. Ça vient de... Madame Chouma, monsieur. Ça vient de son bureau? Elle est juste en train d'attendre. Ok, dis-lui que je le verrai bientôt. D'accord, monsieur. Merci. Ma chère amie, sais-tu que ça fait vraiment très longtemps que je ne suis pas venue ici. Vois comment tu es devenue. Regarde-toi, tu as accompli pas mal de choses toi-même. Merci. C'est Dieu, non? Je peux voir ça. D'où viens-tu comme ça? Tu es toujours à la chasse des jobs? Quoi d'autre, mon ami? Tu sais que c'est pas du tout facile que Kevin puisse changer d'avis. Je te le dis. Il ne veut toujours pas que tu travailles. Attends. Tu t'es transformée à une femme de foyer ou quoi? S'il arrivait qu'il meure, c'est moi qui va souffrir. Et c'est la chose qui ne me plaît pas. Ya. Yeah. Oh. Hein? Mais pourquoi es-tu habillée comme ça? Est-ce que tu te rends au village? Mais je suis pas au courant. Ça, c'est les new fashion de la ville. Mais qu'est-ce que tu racontes? Tu ne vas pas me comprendre. T'es grâce, arrête-toi ça. Écoutez, je veux que ma femme soit une femme ménagère. Vous voyez? Tomber enceinte, prendre soin des enfants et prendre soin de la maison aussi. Je me demande pourquoi c'est difficile pour elle de faire ça. Mes frères, les femmes de cette génération, je n'arrive pas à les comprendre. C'est terrible. En fait, je ne sais même pas ce qui se passe dans leur tête. Elles n'arrivent pas à comprendre que les hommes ont leur manière de voir comment la vie doit être. En fait, l'union en général. Essayons de réfléchir à cela. Nos grands-parents, une fois qu'ils disaient à leurs femmes, leur donner des ordres à faire. Les femmes se mettaient immédiatement et très rapidement à faire ce qu'on leur disait de faire, sans pourtant se justifier. Mais maintenant, appelle ta femme et dis-lui de faire quelque chose qui est importante pour elle. Tout le monde de la famille le saura. Elle va se justifier encore. Et finalement, elle fera cette chose. Maintenant, dites-moi, pourquoi se justifier? Exactement. Je ne comprends pas. Elle n'arrive même pas à nous comprendre. Elle cherche toujours à se justifier. Vous savez, la chose est que elles ne font plus tout ça. Elles sont prêtes à défier toute décision que nous prenons. Elles ne veulent plus nous obéir, même pas un peu. Je ne comprends vraiment pas la raison de tout ceci. Honnêtement, je ne sais pas. Quand tu parles, elles répondent. Tout ça pourquoi? Le droit féminin. Elles veulent absolument tout contrôler. Chercher l'argent, c'est le travail des hommes. À part ça, le reste, c'est pour les femmes.
Toujours on parle d'elle. Le monde tourne toujours autour d'elle. Partout on y va, que des femmes. Partout on y va, que des femmes. Tout ça au nom de quoi? Du féminisme. La puissance du féminisme. La puissance de la femme. Mais quand il faut parler de la guerre, c'est l'homme qu'on voit. Quand on parle de l'argent, c'est l'homme qui doit le faire. Vous voyez? Je suis la tête de la famille. Les obéir. Ils prennent des décisions sans pour autant considérer si cela nous convienne ou non. Mais cependant, ils veulent que nous puissions obéir à ces décisions sans pour autant savoir si cela est en notre faveur. Pourquoi, ma chère amie? Kevin est pire que tous les autres. Oh oui! Il refuse catégoriquement de savoir ce qui me rend heureuse, moi sa femme. Mon bonheur ne l'intéresse pas du tout. Ah, tu sais, des fois je le vois comme un destructeur. Ah, tu sais que je fais la comptabilité et j'ai pas mal de diplômes. Mais Kevin refuse à tout prix que je fasse usage de mes diplômes. Il veut que je les range tranquillement dans une commode. Pourquoi? Tout ça, c'est juste parce que je me suis mariée avec lui. Ma belle, est-ce que c'est normal? La même chose que j'ai vécue avec Vincent. Je crois que tu as vu mon accoutrement d'aujourd'hui. Ça, c'est le look d'accoutrement que mon mari veut que je commence à mettre pour lui. Attends, tu blagues, n'est-ce pas? Ça, c'est la manière dont tu veux que je commence à m'habiller pendant que je possède une entreprise fashion. Comment vais-je représenter ce que je vends à mes clients, Bikonou? Comment? Ma chère, à ce stade, j'ai décidé de ne plus faire ce qu'il me demande. Et faire uniquement ce qui me rend heureuse. Je vais utiliser mes diplômes pour trouver un travail décent. Je sais qu'elle ne sera pas d'accord avec moi, mais à ce niveau, ça m'est complètement égal. Je ne peux pas garder tout ça dans une armoire. C'est ma grâce. Chère, prends le temps de profiter de ton verre. Je ne veux, en tout cas, rien laisser m'énerver. Mais c'est quoi ce genre de mariage? Je ne veux pas du tout de ça. Dieu. Non. Je suis en train de me demander comment... C'est qui est drôle que de m'habiller quand j'aurai mes 40 ans. C'est qu'une personne a traversé à l'université pour obtenir les diplômes. Mais ils veulent quand même que ça soit rangé dans une commode. Ma chère amie, je ne suis pas d'accord. Wow. Bien. Bien. À combien est-ce que ça revient? Ah, ok. Bien, messieurs. Concernant le fait que cette propriété se trouve dans un endroit stratégique qui peut donner accès à toutes sortes d'activités. Mais actuellement, je pense que l'hôtel va bien aller avec. Un hôtel? Oui, messieurs. Oh! Eh bien, ne parlons pas vraiment de ça, ok? Le problème, c'est que j'aime bien cet endroit et j'aime bien sa localisation. Et je crois vraiment que je vais l'acheter. Alors dis-moi, à combien est-ce? C'est à 50 millions naira, messieurs. Wow, 58 millions. Oui, monsieur. Intéressant. Bien, je comprends très bien le fait que vous, les gestionnaires immobiliers, la plupart du temps, ajoutez toujours quelque chose sur le montant de la propriété que vous voulez vendre. Alors, je t'en prie, dis-moi la vérité. À combien revient cette propriété? Genre, à combien est-ce que le bailleur vous a dit de la vendre pour lui ou pour elle? Vous êtes vraiment correct, monsieur, mais je n'ai pas pensé à vraiment? Ça. Vraiment? Oui. Cela me pousse à chercher un très bon manager spécialiste. Intéressant. D'ailleurs, je suis contente de la façon dont j'ai construit ma propriété. J'attends juste les clients. Mmh. Oui, monsieur. Merveilleux. Ça a l'air très aimable. Alors, oui, dites-moi. Oui, monsieur. À combien revient cette propriété? Monsieur, ça coûte 50 millions naira. C'est le dernier prix. Wow. 58 million. Donc cette femme n'est même pas encore à la maison à cette heure. Où peut-elle être?
tu es déjà rentrée? Hein? Stella, dis-moi d'où tu viens à cette heure. Ah, chérie, j'étais allée récupérer ceci, alors en cours de route, je me suis dit pourquoi ne pas aller rendre visite à Abigail. Oh, wow. Intéressant. Mm-hmm. Ah, tu es allée acheter des épices et tu as décidé d'aller voir Abigail. Femme mariée. Et laisse-moi te rappeler que tu es une femme mariée et il te faut être dans ta maison avant 7 heures. Sachant très bien que ton mari serait à la maison et aurait besoin de manger. Oui, je suis désolée, bébé. Stella, tu es une femme mariée. Ne peux-tu pas respecter ça pour une seule fois? Je suis désolée. Ok, donne-moi juste quelques minutes. Et ton repas sera prêt. Allez. Oh. Bonsoir, Monsieur Brown. s'il vous plaît, Monsieur Brown, pouvez-vous me rappeler plus tard? Oui, demain, s'il vous plaît. Je suis avec mon mari. Merci. C'est l'un de mes clients. Il veut acheter une propriété. Client qui ose t'appeler à 7 heures de la nuit? Ne sait-il pas que tu es une femme mariée? Que veux-tu que je réponde? Tu devais juste me demander de lui dire de m'appeler demain matin. Qu'est-ce que c'est? Si je ne réponds pas à ses appels, tu répondras à ma place. S'il te plaît, mangeons ton nourriture, s'il te plaît. Seul Dieu qui pourrait t'aider avec cette jalouse attitude. Je viens me coucher. Hein? Tu n'es pas sérieux. C'est ce qu'elle m'a aussi fait, non? Je l'ai attendu toute la journée. On dirait que tu ne connaissais pas notre ami. Au fait, je n'ai pas le temps pour tout ceci. J'ai sommeil. Je vais dormir. On en parlera demain. Bonne nuit. Qu'est-ce qu'il y a de regarder comme ça? Abigail! Abigail, il faut avoir peur de Dieu. C'est quoi cette histoire? Que tu as couvert tout ton corps? Cette nuit? Es-tu en train de danser? Attends, y a-t-il quelque chose qui ne va pas? Je ne te comprends pas. N'est-ce pas que tu m'as dit que je devais couvrir mon corps, que je ne devais pas l'exposer? Abigail, couvrir ton corps? Dans ta chambre à coucher? Avec ton mari à côté de toi? Hé! Hey! Abigail, il faut avoir peur de Dieu. Écoute-moi. Je sais ce que j'ai dit. Je sais ce que je veux. Et c'est toi qui veux me rappeler ce que je t'avais dit. Hein? Et donc, je dois enlever le pagne. C'est vraiment une question. Enlève ça! Écoute, s'il y a quelqu'un qui est censé te voir nu, c'est bien moi. Ton mari. Oh, oh, tu préfères être nu dehors, c'est ça? Et dans la maison, tu te couvres. Ok, tu... c'est bon, je l'enlève. Tu te couvres vraiment les corps. Et tu trouves ça normal. Ah. Va enlever cette histoire et reste nu pour ton mari. Mais tu ne m'as pas dit ce que tu voulais. Si je commence, tu dis que je dois arrêter. N'enlève pas ça, n'enlève pas ça, n'enlève pas ça. Tout ce que tu racontes. Chérie, Juliette m'a appelé aujourd'hui pour me dire qu'il y a une place vacante dans son entreprise. Chérie, j'aimerais postuler à cette offre. Bébé, s'il te plaît, permets-moi de postuler à cette offre. Hein? Je suis fatiguée de rester à la maison tous les jours en ne faisant rien.
pendant que mes amis sont là-bas dehors en train de faire quelque chose d'intéressant pour leur vie. Cela, je sais que tu veux que je te fasse ou te dise quelque chose cette nuit, Stella. Désolée, tu n'auras pas cette recherche de moi, là. Bébé, s'il te plaît, permets-moi de faire quelque chose qui me rendra heureuse. Hein? Il y a de mieux pour toi, alors tais-toi et dors maintenant. Tais-toi maintenant et dors. Je ne veux pas être fâché, cette nuit. Parce que si je suis fâché, tu ne sais pas en quoi ça va tourner. Alors tais-toi et couche-toi. Debs. Tu ne fais que travailler depuis que tu as fini les dîners. Oui. J'ai des documents que je dois soumettre demain matin à la première heure. Alors, je dois vraiment me concentrer pour en finir. Ta femme a besoin de toi. Ce travail peut attendre. S'il te plaît. Abigail, s'il te plaît, attends. Donne-moi juste 30 minutes et je vais bientôt finir. Tu es sûr? Je te l'accorde. J'espère que tu vas finir dans 10 minutes. Ok. Merci beaucoup. Tes 10 minutes commencent maintenant. Abigail, là, tu me déranges. Peux-tu me laisser juste me concentrer? Tes 10 minutes commencent maintenant. Je t'attends, chérie. Hey! Effacé. Hein? Ah. Oui, ma femme. Elle est dans la cuisine. Elle prépare le petit déjeuner. Si elle t'appelle, dis-lui que je me précipite vers le boulot. Parce que j'ai un document que je dois envoyer à Abuja. D'ici ce matin. Alors, je dois aller au bureau immédiatement. Ok. Hein? D'accord, monsieur. Très bien. Ok, prends bien soin de toi. Hein. Très bien. Passe une bonne journée, grand frère. Merci beaucoup. Vous pouvez passer au bureau. Oui, comme ça nous pouvons finaliser les processus. Oui, quand vous serez prévenu. Je serai au bureau d'un moment à l'autre. Ok. Oui. Bye pour le moment. Ok. Tout
toujours ce mystérieux Monsieur Brown, n'est-ce pas? Qui t'appelle très tôt le matin et tu oses dire qu'il est ton client. Bien sûr, c'est un client. Alors, que penses-tu? Hein? Écoute-moi, il faut que tu sois très prudente dans cette maison, ok? Est-ce que tu me comprends? Est-ce que tu me comprends? Il faut que tu sois vraiment très prudente dans cette maison. Tu ne comprends vraiment pas comment est-ce qu'un homme sensé peut appeler une femme qu'il connaît mariée très tard dans la nuit et encore très tôt le matin. Tout ça n'a absolument aucun sens. Je ne comprends vraiment pas ça. Je ne vais pas, je vais me le répéter, je ne vais pas tolérer cette infidélité et cette tromperie venant de toi. Et je ne vais pas t'attendre une fois dehors. C'est quoi ça? Je pense que je suis fatiguée de cet homme. Bonjour, messieurs. Bonjour, monsieur. Comment tu vas? Je vais bien, messieurs. Bonjour, monsieur Agnao. Bonjour, dame Liliane. Tu as l'air belle ce matin. Merci. Oh mon Dieu, vous êtes mouillée. Où allez-vous ce matin? Je vais au boulot. Ah! Est-ce qu'on peut se comporter vraiment comme ça? Devant les gens en plus. Hein? Vincent? Nanso? Chérie? Ah, Tantine, bonjour. Bonjour, comment tu vas? Je vais bien. Tantine, je suis désolée, j'avais oublié de te dire que grand frère est parti au travail. Exact. Et il m'avait demandé de te dire qu'il commençait à être en retard. Parce qu'il avait un rapport à envoyer à Abuja avant 8 heures. Attends une minute. Tout ça, tu essaies donc de me dire qu'il est fini par partir. Exact. Merci. Merci pour cette information. Tu sais quoi? Prends ce petit déjeuner. Laisse-moi aller m'habiller. Et vas-tu donc pas manger? Je vais manger. Je m'habille d'abord. Tu es vraiment très belle. Merci. Je t'en prie. Ne vas-tu plus prendre ton petit déjeuner? Je vais manger quand je serai au shop. Mais tu sais pourquoi ne sera pas heureux si je te voyais habillée comme ça? Et qu'il ne soit pas content. Au moins, je n'irai pas aujourd'hui au shop habillée comme une managère de l'église pendant qu'il n'est pas là. Laisse-moi profiter de ma journée. Ok, d'accord. Bye. Passe une bonne journée. Je ne vais pas laisser une femme me diriger. Elle n'arrivera jamais à comprendre les hommes. Elle ne peut pas. Je ne sais pas. Tu sais, des fois, je me demande vraiment si Madame Thioma fait vraiment tout ceci expressement. Vraiment. Genre, je me demande vraiment si elle se lève juste le matin pour pouvoir crier du trouble. Cette femme vaut beaucoup mieux qu'une douleur dans les fesses. Elle sait très bien que ton travail était parfait. Elle sait que tu as fait ce qui était juste. Mais voilà qu'elle cherche toujours un problème, toujours quelque chose pour pouvoir te coincer, toi. Là, je crois que c'est sa tactique de travail. Chers amis, vous devriez tous les deux savoir que Madame Choma est une perfectionniste. Elle a toujours voulu que tout soit parfait. Mmh. Mais oui, chers amis. Lorsqu'elle voit quelqu'un d'autre dehors, c'est ce que tu dis? Il faut comprendre que c'est une perfectionniste.
Même si parfois c'est vraiment fatigant. Mais je veux que vous compreniez. Ce n'est pas... Qu'est-ce que tu es en train de dire? Qu'est-ce que tu es en train de dire? Peux-tu imaginer? Elle m'a appelé ce matin en me disant que je dois refaire et réenvoyer le travail que j'ai déjà fait. Ça m'a pris toute la nuit pour faire ce travail. Elle s'en fout en fait de par où je suis passé pour faire ce travail. J'ai dormi tard la nuit. Je suis rentré à la maison. La femme encore. Et là, elle me dit pourquoi jamais le travail même dans la maison. Elle m'a embrouillé la tête. Je lui ai dit non, c'est juste un document que je dois envoyer. Elle me dit pourquoi. Elle me dit d'aller dormir. Et c'est comme si mon sommeil dépendait de son sommeil. Elle sait qu'il est trouble à tout moment. Après juste passer par tout cela, et ce matin, cette femme m'a dit que je dois refaire le travail. À cause juste d'une petite erreur. Juste parce que je n'ai pas croisé l'été. Elle me dit pas refait. Voilà le problème. Donc c'est encore là, c'est... ses attributs de perfectionnisme. Qu'elle fasse tout seul le travail dans ce cas, non? Puisqu'elle est perfectionniste, qu'elle fasse seul le travail. Qu'elle fasse le travail. C'est une personne terrible, vous devez le savoir. Désolé, si tu l'attrapes, elle commence à rigoler. Et si elle commet une erreur? Je te dis, mon gars. Elle va essayer de se justifier pour ça. Oui, c'est ce jour-là. Elle va se mettre là à te pourrir la vie. Elle va se mettre à t'énerver. Mais c'est un peu là-bas, s'il vous plaît, sinon elle viendra ici. Ah, s'il vous plaît, les gars. Elle n'est pas ma patronne. Chérie, désolé, je t'avais dit que je suis au bureau. Je ne peux pas faire ça maintenant. Quand tu me laisses pas me manger, je serai avec toi dans pas longtemps. Exactement. Oui, donne-moi un peu de temps, je serai bientôt avec toi. Ah oui, attends, je te rappelle. C'est comment? Yaga, comment? Où vas-tu comme ça? Je dois faire quelque chose très rapidement là, je ne serai pas très long, je reviens. Ah d'accord, mais n'oublie pas que nous avons réunion avec le directeur général aujourd'hui à 15h, faut pas rater. Bien sûr que oui, je serai là. S'il te plaît. Je serai là, t'en fais pas. Allô? Très bien, envoie-moi toutes tes coordonnées, je vais t'envoyer l'argent très bientôt. Ce n'est pas ça, écoute-moi, je... Bon, très bien. Envoie-moi les détails de ta carte, comme ça je vais t'envoyer l'argent, bientôt. Très bien, tu m'envoies les coordonnées de ta carte. On se parle plus tard. Vous êtes amusant, messieurs. Mais tu sais que je ne mens pas, je te dis la vérité. La plupart des collègues sont toujours... Je ne comprends presque jamais ça. La plupart du temps, ils sont toujours là à l'aile à l'extrême juste pour avoir des clients pour faire du business avec eux. Et honnêtement parlant, je ne suis pas très confortable avec ça. Mais personne ne l'a fait, messieurs. Vraiment? Bien sûr. Ebuka, tu ne m'avais pas dit que tu retourneras dans mon bureau. Qui est cet homme-là? Pour la dernière fois. Qui est cet homme? Parce que je vous ai entendu tous les deux en train de rire. Tous les deux étaient en train de rire et de vous raconter des plaisanteries. J'ai entendu ça depuis le couloir. Qui est cet homme? Et pourquoi es-tu en train de rire avec lui comme ça dans ton bureau? Ebuka, s'il te plaît, je te supplie au nom de Dieu. Ne commence pas maintenant. C'est un bureau, s'il te plaît. Hey, mon ami, qui es-tu? Qui es-tu et qu'est-ce que tu es en train de faire dans le bureau de ma femme? Ne sais-tu pas qu'elle est mariée? C'est mon mari. Oh, ton mari? Elle est mariée et je suis ton mari. Tu ne m'avais-tu pas dit que c'était une femme mariée? Mon ami, ne connais-tu pas la différence entre une femme mariée et une femme célibataire? Ne connais-tu pas? Celle-ci, c'est ma femme et je l'aime bien sûr. Ne peux-tu pas te respecter un peu? Ne peux-tu pas te respecter un peu? N'as-tu donc pas le respect pour le mariage? Je ne peux pas accepter cette humiliation. Je t'en prie, dis à ton boss de me remettre mon argent directement. Je ne suis plus du tout intéressé à cette propriété. Et une fois à la maison, enseigne cette chose que tu appelles mari quelque manière.
S'il vous plaît, monsieur, je suis désolée. Je suis désolée, Est-ce monsieur. Est-ce que ton petit ami vient juste de m'appeler chose? Regarde. Viviane, ton petit ami vient de m'appeler chose et tu es là en train de parler. Ebuka, c'est quoi ça? Tu vois ce que tu m'as fait? Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi? Qu'est-ce que tu fais? Parce que tu emmenais ton petit ami dans ton bureau? N'as-tu donc pas de respect pour le mariage? Tu n'as pas de respect pour moi? Ebuka, qu'est-ce que c'est? Tu m'as tué. Je t'ai tué comment? Je t'ai tué comment? Comment t'ai-je tué pendant qu'un homme est dans ton bureau en train de flirter avec toi? Tu ne sais pas que tu es une femme mariée? N'as-tu donc pas le respect pour le mariage? Ne respectes-tu pas le mariage d'Iliane? Ne peux-tu pas respecter ce mariage? Viens, tu vas faire ton devoir. Je vais rester encore un peu avec grand-mère. Ah, tu auras le temps de parler avec la grand-mère. Viens d'abord finir avec ton devoir. La joie est tellement immense qu'il ne peut le cacher. Maman, le vieil âge que tu as n'est pas venu seulement avec la sagesse. C'est aussi venu avec des profondes idées. Oh, oh. Mmh. Cela veut dire que tu as décroché un job. Je me tiens devant vous comme le nouveau directeur de l'Académie d'enfants de Decent. Principal? Comment? Bon. Maman, c'est un miracle. Ah? Je ne sais pas comment c'est arrivé. J'ai postulé pour le travail. Je suis parti pour l'entretien. Et après l'entretien, le propriétaire de l'école a fait de moi le directeur. Ah? Juste comme ça? Juste comme ça. Hey. Maman, ça c'est une bonne nouvelle. Oui, maman, ça c'est un miracle. Vos prières marchent. Vos prières ont marché. Ebuka, tu ne savais pas qu'il était un client? Juste entends-toi, tu as l'air d'un enfant de Dieu. Non, il est mon petit ami. Non, j'étais en train de faire quelque chose. J'allais laisser la porte ouverte, c'est ça? Je n'ai jamais dit ça, non? Je ne peux jamais dire ça, mais tu ne peux faire confiance à cet homme, non? D'après ce que je sais, cet homme est capable de couvrir de billets ici, non? À la fin de la journée, il voudra coucher avec toi, ça s'explique. Ça s'explique, tu ne peux faire confiance à cet homme, non? Je dois protéger ma femme, tu sais bien que je suis jaloux. Je dois protéger ma femme, je dois protéger ce que j'ai. Ebuka, sort de mon bureau. Que veux-tu dire par là? S'il te plaît. Ebuka, quitte mon bureau maintenant. Tu veux que je parte de ton bureau? Ebuka, sors de mon bureau! Tu es en train de mettre ton mari hors de ton bureau! J'ai dit sors de mon bureau maintenant, Ebuka! C'est bon, c'est bon! Sors de mon bureau avant que j'appelle la sécurité pour te sortir! Sors de mon bureau! Mon Dieu! Ebuka, qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Qu'est-ce qui ne va pas avec moi? Qu'est-ce que... Et en plus de tout ça, qu'est-ce que je viens de faire? Qu'est-ce que je viens de faire? Je viens de... Comment était-je supposé savoir qu'il était juste un client? Comment? Peu importe. Est-ce de ma faute? Est-ce de ma faute?
Kylian. Pendant combien de temps vas-tu continuer à rester au téléphone comme ça? Tu n'as encore rien fait à manger pour moi jusque-là. Et ça veut dire quoi toutes ces larmes là maintenant? Non, à quoi servent ces larmes de crocodile? À quoi elles servent exactement? Mon ami entre là, il va me faire quelque chose à manger là, j'ai faim. Bien, bien, j'ai commis une erreur, mais comment était-je supposé savoir qu'il n'était juste qu'un client? Comment? Comment? Tu commences maintenant à... Liliane! Très bien, ok, bien, bien, bien. On verra pendant combien de temps tu vas continuer de garder le silence. On saura bien combien de temps cela va traîner. Liliane! Les gars, pouvez-vous imaginer? Un homme qui appelle ma femme à 21h pendant la nuit. Et à 7h du matin la journée. Et quand je demande à ma femme, elle me dira seulement qu'il n'est qu'un client. Intéressant. Et j'étais en train de me demander, est-ce que c'est ma femme qui ne leur dit pas qu'elle est une femme mariée ou quoi? Es-tu aveugle? Ça ne se voit pas? C'est évident qu'elle ne voit rien du tout. Elle laisse juste à l'homme de deviner et de faire ce qu'il veut. Tu vois, les femmes apprennent bien nos comportements. Vous savez, nous sommes leur mari. Nous leur disons pas les douces paroles. Et si tu dis vraiment à une femme ce qu'elle veut entendre, là, elle sera heureuse. Mais cela ne suffit toujours pas. Les femmes disent à leur mari qu'elles sont toujours dans le jeu, même après 3 à 4 enfants. Est-ce que vous pouvez imaginer cela? Elles restent dans le jeu. Elles veulent toujours qu'on remarque cela. Et maintenant, observe cela. À chaque fois que tu te déplaces, et si par accident tu touches les dos d'une femme, et elle t'attrape, et là elle se colle à toi. Elle a un corps bombé. Oui, c'est ça, c'est un peu comme... Paquet, on appelle ça paquet. C'est ça, c'est ce qu'elles font. Parce qu'elles sont dans une zone de confort dans la maison de leur mari. Oui. Bah, peu importe, à part cela. Alors tout homme qui va s'intéresser, qui aura une attirance pour une femme mariée, c'est un homme stupide. Il est tellement bête. Non, mais un homme qui appelle une femme mariée, il ne sait même pas quand est-ce que la femme aura le temps pour son mari. Et même sa famille. Bien, je n'arrête pas de dire ça. Ma femme ne va jamais travailler. Ma femme ne va jamais travailler. Elle doit rester à la maison. Prendre soin de la maison, prendre soin de ma famille et prendre soin de tout ce que j'ai. Pendant que moi je sors pour répondre à tous ses besoins. Elle ne travaillera jamais. Désolé, désolé les gars. J'ai un appel important. Ouais. Allô? Oui, qu'est-ce qu'il y a? Ah, ok. Bien, ce qui s'était passé, que... Je peux t'appeler après? Bien, merci. Merci. Ok. L'homme dont je vous avais parlé, à propos de... Ouais, de bureau. Ouais, ouais. Oui, il vient d'appeler. Oh, wow. J'espère que c'est une bonne nouvelle. Je te fais confiance, toi. Je te fais confiance. Je l'espère. Ne parlez pas de ça. Vas-y, on continue. Écoutez, je dois vraiment vous parler de ce qui s'était passé. Très bien, dis-moi. J'étais allé où se trouvait ma femme. J'étais allé à son travail. Parce que depuis la nuit dernière, elle n'arrêtait pas d'avoir cet appel étrange de cet homme mystérieux. Celui qu'elle appelle Monsieur Brown. Monsieur Brown? J'étais dans son bureau. Et vous ne croirez pas ce que j'ai vu. J'ai trouvé cet homme dans le bureau de ma femme. En train de rire et flirter avec ma femme. Genre, qu'il y avait quelque chose d'intime entre ces deux personnes-là. Genre, j'ai pas compris ça. Moi,
Bravo. D'accord, très bien, très bien. Alors dis-nous, qu'est-ce que tu as fait finalement? Qu'est-ce que j'aurais pu faire? Qu'aurais-je pu faire? Car apparemment, cet homme-là avait l'air d'être son meilleur client avec beaucoup d'argent. Oh mon Dieu. Elle était en train de se mettre en colère pour cet homme-là et en m'ignorant, moi, dans ma propre maison. Kevin, je suis sérieux, là. C'est très amusant. Alors, apparemment, tu es ivre. Non, ce n'est pas ça. Je ne sais même pas ça. Ah, mais mon frère, tu dois ouvrir tes yeux. Il faut que tu ouvres tes yeux très, très largement. Il peut y avoir beaucoup de choses avec un simple client. Écoute, d'ailleurs, tu es stable financièrement. Et jamais tu ne lui as refusé toutes les bonnes choses qu'elle voulait. Alors, dis-moi, pourquoi serait-elle dans... Je ne sais pas. J'aurais souhaité avoir une idée là, mais je ne sais pas. Hé, hey, barman, remplace tout ça. Nous voulons encore. Je comprends vraiment pas, là. Ne me dis pas que tu ne comprends pas. Alors, pourquoi travailler désespérément comme ça? Alors, pourquoi tu ne la gardes pas dans la maison pour lui acheter tout ce qu'elle peut vouloir? J'essaie de mettre la paix dans ma maison. Si je l'empêche de travailler là maintenant, ça sera la guerre. Liliane, où est ma nourriture? D'où viens-tu? Excuse-moi? T'excuser en quoi? Quand tu m'as fait presque perdre mon travail parce que tu t'es en train de me suspecter avec un client. Hein? Entre moi et toi qui est fautif ici, n'est-ce pas tu viens de la voir? Ok, vous voir qui? De qui est-ce que tu parles? Ta copine, bien sûr! Vas-tu arrêter cette blague? Vas-tu arrêter avec cette blague et me donner ma nourriture? Arrêtez quoi? Pour manger? Et pour ton information, je n'étais pas allé voir une quelconque femme. J'étais avec les gars. Je veux manger, j'ai très faim. Retourne chez elle, elle te donnera à manger. Bêtise. Abigail, lève-toi. C'est quoi le problème? Lève-toi! Qu'est-ce que c'est? As-tu porté ça à ta boutique aujourd'hui? Je t'ai posé une question, réponds-moi. Oui, je l'ai porté aujourd'hui au shop. Pourquoi? Pourquoi? Pourquoi tu t'es habillée comme ça? Après tout ce que je t'avais dit, tu dois t'habiller responsablement, comme une femme mariée. Mais pourquoi tu t'habilles juste comme une étudiante? Hein? Es-tu une étudiante? Vincent, laisse-moi te poser une question. Puisque je suis mariée, je ne dois donc plus m'habiller à la manière dont je m'habillais avant que je ne te rencontre. C'est ça? Oui. C'est ce que tu dis? Ma chère, la manière dont tu t'habilles, je ne veux pas. Ce n'est pas une bonne manière pour une femme mariée. Tu n'es plus Abigail Okocha. Tu es Abigail Ikedi. Il te dit, ce n'est plus Okocha. Pourquoi tu t'habilles comme ça? Je vais te poser une question. Es-tu en train de t'habiller pour séduire tout celui que tu croiseras? Ou seulement Steve? Est-ce que tu vois cet homme que tu veux impressionner avec ton habillement provoquant? Excuse-moi? Oui. Oui. Je ne vais plus les répéter encore. Si tu veux t'habiller sexy, habille-toi sexy ici dans ma maison. Habille-toi sexy comme tu voudras, mais seulement nous dé dans la maison. Vincent, s'il te plaît, laisse-moi dormir. Écoute, que ce soit la dernière fois qu'on discute de ce sujet. Sinon... Love is sweet, but we need to live in trust. Love is sweet.
But we need to live in trust. Oh. Oh. Love is sweet, but we need to live in peace. Love is sweet, but we need to live as one. Love is sweet, oh, but we need to trust each other. Ebuka, le repas est prêt, tu peux venir manger. Je ne pouvais pas manger seul. Écoute. Je... C'est pas comme si tu étais en train de te suspecter de me tromper, ok? J'ai juste besoin que tu puisses tracer une ligne entre tes devoirs conjugaux et tes heures de service, c'est tout. Non, Ebuka, arrête de recommencer maintenant, s'il te plaît. C'est juste toi, ça c'est ta personnalité. Même si je décide de tranquilliser mon travail maintenant, cela ne changera rien du tout. À prendre ou à laisser. Arrête avec ces histoires. S'il te plaît, allons juste manger, s'il te plaît. Alors, qu'est-ce que tu as préparé? Oh mon Dieu, ça c'est tellement merveilleux. Ah, s'il te plaît, arrête, je sais que tu ne dis pas. Non, écoute, les intestins dans mon ventre là, hein, ils sont en train de chanter la chanson de la Ligue des Champions bien actuellement. Fait. Waouh. Ça c'est le meilleur repas qui vient de tomber au bon moment. Oui. Alors, prions. C'est bon, prions d'abord. Oh Dieu, bénis et sanctifie ces repas au nom de... Amen. Amen. Fais les doucement. Amen. Waouh. Je suis désolé pour tout ce que j'ai eu à faire, ok? Mais... Ok. Ce repas, c'est vraiment le meilleur. Non, je sais que c'est ma nourriture préférée. Bon après-midi, madame. Bonjour, Vera. Comment vas-tu? Oui, je vais bien. Est-ce que ta patronne est là? Oui, elle est à l'intérieur. D'accord. Abigail, s'il te plaît, j'ai besoin d'une boisson fraîche. Hein? Le soleil là-bas dehors n'est pas du tout amical. Vraiment? Attendez une minute. Êtes-vous venue à pied ou quoi? Vois comment tu transpires. Je ne comprends pas. Faire les pieds? Mais comment pourrais-je faire le pied? Ma je suis étonnée. Le problème avec ça est que, Abigail, tu as ouvert ta boutique il y a bien longtemps et tu te retrouves avec. Si tu vas à l'extérieur, hey, ça va mal tourner. Tes grâces ne la suivent pas. Ça? Non, c'est pas du tout si fort que ça. À la place d'agir rapidement, tu nous demandes si c'est si fort désolée, que ça. Désolée, j'ai faim. Vera, s'il te plaît, viens. Allez, tiens. Trouve-nous une boisson très fraîche. Oh, attends, s'il te plaît. Laisse-moi te dire ce que je veux. Ce que tu veux? Bien sûr. Vera, vas-y, trouve-nous une boisson très fraîche. N'importe laquelle que tu trouveras. N'ai-je pas le droit de faire les choix? En fait, non. Ne suis-je pas toi les idées? Tu viens de voyage, non? Les dames, franchement parlant, je suis malade et fatiguée de Bouka. Je suis malade et fatiguée de lui parler. Mais j'attends juste que quelque chose... arrive à mon travail. Hey! Wallahi! Hein? Je montrerai à Ebuka que ça c'est le mariage et non l'esclavagisme. Oui! Ce que j'essaie de comprendre est que pourquoi ils font ça? Pourquoi? Puisqu'en ce qui nous concerne, aucune de nous ne trompe son mari. Pourquoi ne peuvent pas-ils comprendre ça et nous considérer comme leur femme légitime? Plutôt que de se comporter comme des enfants. Oh non! Mes chers, ce n'est pas vrai que celui qui tue avec un couteau ne permet pas à un autre qui a un couteau de se tenir derrière lui. Un instant, si je comprends bien. Minute. Essayes-tu de dire que ces hommes nous trompent? Ce n'est pas ce que je dis. Ce que j'essaie de dire est que c'est la vie que mènent les hommes avant qu'ils ne se marient. C'est ça le problème.
Bien. Je ne commenterai pas. Mm-hmm. Oh oui. Mm-hmm. Tel que je suis là, les filles, je n'ai absolument rien à dire. Jusqu'au moment où je dirai à Kevin que j'ai trouvé un travail. Et s'il ose refuser, à ce moment-là, je lui montrerai que je suis Stella. Cette femme, attendez un peu. Toi, tu as décroché un job sans pour autant nous le dire. Je suis vraiment désolée, mes amis. Je ne cherchais pas à vous le cacher. C'est exactement l'endroit où j'étais partie la dernière fois que j'étais venue ici. Hein? Ils m'ont offert un poste, mais vous savez, je ne sais pas me réjouir complètement parce que... Tu n'avais rien dit, Kevin. Oui. Tu n'avais rien dit. Tu dois être malade. Pour avoir demandé premièrement la permission de ton mari avant d'accepter un travail. Uh-huh. Stella, hey! C'est ça le problème. Et vous savez que c'est vraiment décevant. Ça me brise le cœur. Je souffre à mes amis dans ces mariages. Souffrir en souriant, c'est comme ça que je l'appelle. Je souffre en silence. Oui, envoyez l'adresse. Numéro 17. Avenue Wobodo. Ah, ok. 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 Alors, ça se trouve où? Ok. Ok. Ah, pas de problème. Pas de problème. Je serai là bientôt. Vin? Oui. Comment vas-tu? Tu vas sortir dîner? Non, je vais en ville. Je dois faire quelque chose. Bon, d'accord, je pensais qu'on allait sortir manger. Et je t'aurais mis un peu d'argent pour que tu m'achètes à manger en rentrant. Je ne peux pas quitter le bureau maintenant, je suis vraiment très occupé. Ah, pas de problème. Oh, d'accord. Très bien. Je t'avais dit plusieurs fois déjà. Je ne veux pas que tu t'habilles comme ça au travail. Si tu veux t'habiller comme ça, habille-toi à la maison. Alors maintenant, comme tu m'as désobéi, tu vas me suivre à la maison. Et là-bas, tu vas changer d'autres habits et tu viendras au travail. Je ne bougerai pas d'ici. Hein? Pour l'amour du ciel, Vincent, je possède une entreprise fashion. Cependant, tu veux que je m'habille comme une fanatique de chrétienne. Où serait l'essence de cette entreprise? Où? N'est-ce pas que c'est avec ton argent que je fais tout ceci? Abigail, je suis ton mari. Abigail, je dois te dire comment t'habiller. Tu veux séduire un autre homme? Je suis sûr que la réponse, c'est non. Alors, séduis-moi. Moi, je veux que tu me séduises. Je veux que tu le fasses à la maison. Ne t'habille pas comme ça en dehors de la maison. Alors maintenant, tu vas me suivre à la maison pour échanger l'habillement et tu reviens travailler. Je ne veux aller nulle part. Abigail ne me tente pas. J'ai dit que je ne vais aller nulle part. Où est le mal avec mon accoutrement? Non, dis-moi, où serait le mal avec cet habillement? N'est-ce pas que c'est aussi décent? Abigail ne me tente pas, oh. Abigail, ne tente pas ton Dieu, oh. Abigail, ne tente pas ça, c'est un endroit public, oh. On va se dénigrer c'est nous-mêmes. On doit couvrir nos bêtises dans des endroits Baisse publics, ton, oh. Vincent. Ça, c'est ton bureau, oh. Abigail, écoute-moi, va changer, oh. Je suis venu de te respecter en partant de mon shop. Abigail, tu dois me suivre à la maison. Oui. Je n'irai nulle part. Traite-moi comme tu veux. Appelle-moi comme tu voudras, mais je suis un homme Igbo. Je n'ai aucune explication à donner aux gens. Ma femme doit s'habiller comme une femme Igbo. Le musulman. Leurs femmes, elles se couvrent peu importe leur beauté. Elles se couvrent. Prends l'exemple. Habille-toi comme une femme Igbo. Les femmes Igbo s'habillent bien. Fashion. Attends, ok, viens. Si tu ne veux pas me suivre, les réseaux sociaux vont nous suivre aujourd'hui. Parce que ce que je vais faire en ce moment, tu ne vas pas y croire.
Ok, tu m'as pas laissé les choix. Je n'irai nulle part. Arrête de crier, Vincent. C'est quoi ça? C'est quoi cette bêtise? Allez, lâche-moi, Vincent. Laisse-moi. Laisse-moi. Je ne partirai pas. Entrez là-bas. Ah ah. Je te parle et tu as eu l'audace de me contredire. C'est quoi ça? Tu es malade. Tu ne peux pas faire juste quelque chose de raisonnable. Bloque la portière. Comment peux-tu t'habiller comme ça? Et je te parle, tu veux te justifier. Je t'en prie, tu dois descendre, descendre pour mettre quelque chose de plus raisonnable. Abigail, c'est à toi que je parle. Abigail, descends. Descends et va mettre quelque chose de raisonnable. Je dois rentrer au bureau. Mais je m'adresse à qui? Tu es en train de chercher les problèmes et tu le verras. Descends maintenant. Qu'est-ce que tu vas faire? Plus que ce que tu as déjà fait. Plus que l'embarrassement que tu m'as donné. Tu es la seule qui te cause tout ça. Regarde-toi. Une femme mariée. Tu es habillée comme une femme célibataire. Si tu ne veux pas être dérangée, va dans la maison de tes parents. Comment est-ce que tu peux t'habiller jusqu'au go-go-go-go-go-go comme une femme célibataire? Comment tu peux t'habiller comme ça? Et je te parle, tu te justifies. Oh! Qu'est-ce qu'il y a de mal avec mon look? Oh! Qu'est-ce qu'il y a de mal avec mon look? S'habiller comme ça. En exposant tout ton corps. C'est ça? Regarde ton corps. S'il te plaît. Non, mais regarde comment tu es habillé. Es-tu la plus belle femme de ce monde? Qu'est-ce qui ne va pas avec Mais pourquoi tu veux juste t'habiller comme ça, tu vas du n'importe quoi? Nosso, grand frère, s'il te plaît, prends cette femme qui est assise dans la voiture, amène-la à la maison, qu'elle cherche quelque chose de raisonnable. Et je vais l'amener à la boutique et je repars au boulot. Tantine, est-ce que tu peux te calmer? Oui, n'ose même pas m'appeler. Ne le sais pas. La même énergie qui m'a transportée à partir du shop doit me sortir du véhicule jusqu'à la maison pour que je mette quelque chose de plus décent. Ah, tu penses que je blague, hein? Je blague. Laisse-moi, oh. Laisse-moi tranquille. Pas de problème. Écoute, descends. Je dis, descends. Qu'est-ce que cela fait dire? Descends. Une cible de ma vie, laisse-moi. Je n'importe quoi. Veux-tu me frapper? Moi, t'es mangé. Non, tu veux me frapper. N'importe quoi. Regarde-toi, tu n'as même pas honte de toi-même. Honte de quoi? Va dans la maison et porte un autre habit et tu viens, je te dépose à la boutique et moi, je vais au boulot. Tu es une femme mariée. Ne t'habille pas comme une pute. N'ose plus jamais me qualifier ainsi. N'ose plus. Oh, ça te dérange? Oh, ça te dérange? Oh, ça fait mal. Et tu t'habilles comme elle. Tu t'habilles plus qu'une pute. Tu es vraiment imprévisible. Merci. Tu n'as tellement pas de sens. Je sais pourquoi je t'ai poussé. Tu sais quoi? Je ne rentrerai plus dans ce shop. Si tu veux. Animal. Mais tu ne peux pas t'habiller comme ça. Sottise. Regarde-toi. Une femme mariée. Mais regarde-toi. Regarde-toi. Je t'en prie, c'est bon maintenant. Je t'en prie, essaie juste d'aller doucement avec elle. Très bien, d'accord, je vais chercher ça dans ma boîte mail. Dis-moi, suis-je vraiment supposé faire ça? D'accord, pas de problème. Oui, c'est soir. Très bien, on se parle plus tard alors. Salut bébé. J'étais née là-dessus. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est une lettre de rendez-vous venant de l'entreprise Akalis. La compagnie quoi? L'entreprise Akalis. Ils m'ont offert le poste de comptable. Alors s'il te plaît chérie, permets-moi de travailler. Laisse-moi faire ce boulot. S'il te plaît.
comme comptable. Chérie, s'il te plaît, ne refuse pas encore une fois. Tu vas rester dans cette maison, comme une femme ménagère. Ah. Ah. C'est quoi ça, mon Dieu? C'est quoi ça? Ah. C'est pas normal, c'est pas normal. Ah, mais c'est quoi ça encore, mon Dieu? Stella, ma fille, comment tu vas? Bonsoir, maman. Maman, je ne vais pas bien. Qu'est-ce qui te dérange? C'est quoi le problème, ma fille? Maman, sais-tu que depuis que je me suis mariée avec Kelvin, je reste à la maison tout le jour, je ne fais rien. Mais pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? N'étais-tu pas encore trouvé un job ou quoi? Maman, c'est pas du tout ça. Mon mari veut que je reste tout le jour à la maison et que je ne fasse rien. J'ai déjà trouvé une affaire de 3 postes, mais il le rejette. Il ne veut pas que je travaille. Ok, maman, il y a 2 jours, j'ai trouvé un autre travail et dans une autre entreprise. Et par-dessus tout au poste des comptables, il a refusé encore une fois. Maman, s'il te plaît, je veux que tu puisses m'aider en causant avec Kelvin. Cause avec lui, fais-lui comprendre que j'ai besoin de travailler. Maman, tu sais combien j'ai souffert à l'université pour obtenir ces diplômes, mais sans éviter que je mette tout dans une commode. Maman, est-ce que c'est normal? Hein? C'est pas juste, maman, c'est pas du tout juste. Arrête de pleurer. Sois calme, ma fille. Je vais l'appeler après, hein, ok? M'as-tu entendu? D'accord, maman. Cause avec lui et reviens-moi plus tard, ok? Oui, je vais l'appeler. Je dois travailler. Je suis fatiguée de rester tout le temps à la maison. J'ai besoin de travailler. Il faut que je fasse quelque chose. Oh. Cette lettre ici présente montre que j'ai obtenu un travail. Pourquoi ne me permets-tu pas de travailler? Hein? Pourquoi veux-tu que je reste tout le temps à la maison? Stella, ta mère a appelé la nuit dernière. Je suis un homme de parole. Je lui ai dit ce que je pense. Je lui ai dit la même chose. Je lui ai dit que tu ne vas pas travailler. Que tu resteras dans cette maison en tant que femme ménagère. Prendre soin de mes enfants quand ils seront là. Prendre soin de tout ici. Prendre soin de toutes mes affaires. Pourquoi c'est trop difficile pour toi de comprendre tout ça? Pourquoi? C'est vrai? Donc, t'es sérieux? Donc, tu ne veux donc pas que je travaille, hein? Tu veux que je reste à la maison tous les jours comme femme de ménage, c'est ça? Oui, c'est parce que je suis capable de bien prendre soin de toi. Je suis capable de te donner tout ce dont tu peux avoir besoin. Je ne me suis jamais plaint de te prendre en charge. Est-ce que je me suis déjà plaint? Non, dis-moi, déjà? Attends, que j'essaie d'analyser ce que tu viens de dire. Hein? Que je ne travaille pas. Que je reste à la maison en ne faisant rien. Dès lors que toi, mon mari, tu es capable de prendre soin de tout le reste. Certainement oui, je suis ton mari. Je suis l'homme de la maison. Et tout ce que je dis est irréfutable. Oh oui. Tu ne vas jamais travailler pour qui que ce soit. Pas de problème. Oui, c'est ça. Pas de problème. Je n'ai aucun problème avec ça. Du fait que tu viens de dire que tu es en mesure de prendre soin de tout, c'est bon. Somebody tell me what to do. Life of a woman. Life of a woman. Life of a woman. Life of a woman. Nanso, où est ton frère? Où est passé Vincent? Il est allé au travail. Et qu'est-ce que c'est que tout ça? Ton frère a les culots de changer mes habits de marque à ces stupides choses.
Qu'est-ce que te fait marrer? Tu crois que c'est amusant? Non, sérieusement, il me fait vraiment rire. Tu veux dire que c'est vraiment ce qu'il veut que tu commences à mettre? Je ne suis pas du tout en train de m'amuser avec toi. Dis-lui de remettre mes habits. Dis-lui de les sortir où il les a cachés. C'est quelle bêtise, ça? Grand frère. Ah. Non, ça, c'est la meilleure. Tant tu viens prendre tes habits, non? Non, non. Qu'est-ce qui ne va pas avec ces filles? Tu veux vraiment faire de cette femme notre sujet maintenant? Tu veux vraiment faire de cette féministe de femme notre sujet maintenant? Allô? Abigail, qu'est-ce qu'il y a? Vincent, as-tu changé ma garde-robe pour ces habits qu'on jette à la poubelle? Abigail, des choses que tu appelles ordures, ce sont des choses que ton aimable mari veut vraiment que tu t'habilles. Immédiatement. Vraiment? Ok. D'accord, j'ai tout entendu. Oui, vraiment. Et si je ne te vois pas t'habiller comme ça, tu me verras. J'espère que tu m'as compris. Lesquels? Ça prend du temps. N'importe quoi. Qui est-il? Sans importance. Qui est-il encore cette fois, Vincent? Vous voyez ma femme. J'avais préparé pour elle, des habits. Je lui ai dit, bébé, c'est ça que ton aimable mari veut que tu portes. Elle a refusé. Vous savez. Je suis parti moi-même au marché. J'ai utilisé tout mon salaire. Je lui ai acheté des habits que je veux qu'elle porte pour une femme mariée. Qui est présentable. Mon frère, ce que tu viens de faire est vraiment ce qu'il leur faut. Je me demande pourquoi ils ne peuvent juste pas, vous savez, accepter ce que nous voulons. Je ne sais pas. Pourquoi c'est autant difficile pour eux d'accepter ce que nous voulons? Elles veulent juste garder leur tête haute. Je ne sais pas pourquoi. Tu sais quoi? J'aurais vraiment souhaité que tout le monde ou que tous les autres hommes soient au moins comme nous sommes tous les trois. Nous sommes toujours d'accord. Vous savez? Et insistons sur ce que nous voulons sans aucun compromis. Tu as raison. C'est pourquoi j'ai décidé que ma femme ne travaillera jamais. Voilà. Elle resterait une femme ménagère pour prendre soin de mes enfants et prendre soin de tout ce que j'ai. Et si jamais j'arrive à comprendre ou à découvrir qu'elle me trompe, je vais la tuer et je vais tuer la personne impliquée. Et c'est comme ça. Et c'est ce pourquoi elle devrait seulement obéir à des simples instructions. La simple loi de la Bible. Femme, soyez soumise à vos maris. Je crois que j'ai sommeil. J'ai besoin d'aller dans la chambre. Ok. Bonne nuit. D'accord. Bonne nuit. Bienvenue, monsieur. Où sont mes habits? Abigail, laisse-moi passer. Ne me barre pas la route. Comme tu peux le voir, je viens tout juste du boulot et je suis fatigué. Je dois me reposer. Je dois vraiment me reposer, s'il te plaît. Il n'y a pas de repos pour le méchant. Va me sortir mes habits. Où tu les as cachés? M'as-tu donné de l'argent pour acheter ces habits? Abigail, tu n'auras pas ces habits encore. Les habits. Et si tu insistes, je vais
t'ai frappé. Tu m'as saisi? Tu mens. Je sais que tu aimes me battre. Tu vas me battre puisque tu dois sortir mes habits. Et tu veux te battre contre moi, n'est-ce pas? Sors-moi mes habits. Sors-moi mes habits. Tu deviens une tigresse et tu veux me battre, c'est ça? Pourquoi tu dois me les cacher? Pour que tu les remplaces avec ces bêtises. Abigail. Va me donner mes habits. Abigail. Donne-moi mes habits. Abigail. Va me prendre mes habits. Va me prendre mes habits. Abigail. Messieurs. Peux-tu me laisser tranquille? Te laisser pourquoi? Et tu veux te battre contre moi? Non, je veux juste que tu me donnes mes habits. Remets-moi mes habits. Tu veux que je te tue? Abigail. Pour ça. Abigail, fais attention. Dis-moi où tu les as cachés. Je vais aller le chercher moi-même. Qu'est-ce que tu ne comprends pas? Es-tu malade? Hein? Qu'est-ce que tu ne comprends pas? Hein? Que je te dise combien de fois? Oui, arrête. Grand frère, pourquoi tu n'arrives toujours pas à comprendre? Laisse-moi. J'en ai marre avec lui. Qu'il ait trouvé cette femme qui va commencer à s'habiller à son goût. Comme un paria, certainement pas moi. Pourquoi ces hommes sont comme ça? Pourquoi? Pourquoi ils agissent comme s'ils étaient des destructeurs de nos vies? Sais-tu que Kevin a refusé cet emploi que j'avais obtenu à l'entreprise à Calice? Ce n'est pas vrai. Je te le dis, ma belle. Tu vois, tout ce qui concerne le travail ne lui plaît pas du tout. Ceci montre combien ils sont immatures. Et c'est quoi être intelligent? J'en ai fini. Je suis vraiment désolée, mon ami. Il n'y a pas de problème. Je compatis avec toi. Hein? Il n'y a pas de problème, ma chère. Prends soin Laisse-moi de toi. Laisse-moi rentrer rapidement okay? en ville. Il ne sait même pas que je t'ai venu au village. Il n'y a pas de problème. Si jamais il les découvre. Ah, hey, ma soeur, ma en tout cas, je ne suis plus pour ces drames. D'accord. Au revoir, ma Prends soin de toi. Du n'importe quoi. Femme africaine, rentre à la maison, prépare le dîner dans sa cuisine et sers humblement son dîner les enfants qui reviennent tout droit de l'école, ainsi que son mari qui s'assoit en isolation pendant qu'elle va à un cocktail avec des associés d'affaires. Wow. Hey. Ça, c'est mon petit fils, tu es brillant. Je suis fière de toi. Tape là. Ah, ah. Ça, c'est mon garçon. Garçon intelligent. Mais une autre chose, d'accord? Il faut que tu étudies bien. Tu dois voir tout ça ici pour que la prochaine fois, tu n'aies pas les livres en main comme ça. Est-ce que c'est bon? Oui, papa. Ouais, très bien. Abigail, mais qu'est-ce Abigail, que c'est? Tu n'as informé à personne que tu venais. Abigail, c'est quoi? Ces larmes sur ton visage. Prends place. Qu'est-ce que c'est? Hein? Tu dis? Oui, pa. Maintenant, je veux que tu ailles dans ta chambre pour continuer ce que tu faisais là. Hein? Nous avons une réunion très importante maintenant. D'accord? Ok, papa. Très bien. Mais pourquoi? Pourquoi Vincent doit se comporter comme ça? Dans ce monde actuel, il vit avec cette mentalité archaïque. Fais pas attention à lui. Tout ce que je sais est que je ne veux pas porter ces choses. Je ne peux porter ces habits juste au nom du mariage. Non, pendant que j'ai une entreprise fashion. Il veut juste me ridiculiser. Mariage, mon œil, c'est quoi ça? Ma fille, ça va aller. Ta vie est beaucoup plus importante que toutes les autres choses. Est-ce que Vincent sait que tu es ici? Non. Même son frère ne sait pas que je suis ici. Je m'en fiche. Très bien. Dans ce cas, je veux le faire comprendre tout ça et il va venir te chercher. D'accord? D'accord. Vincent. Vincent. Ah.
Tu es déjà revenu? Reste là. Dis-moi d'où tu viens. Non, dis-moi, tu viens d'où comme ça? Bébé, la maison était tellement ennuyante, alors je m'étais décidée d'aller rendre visite à Abigail. Alors, une fois que j'étais arrivée là-bas, elle aussi n'était pas... Et quoi? Dis-moi, et quoi? Cette maison était ennuyante, alors que je me rassure de te donner tout ce dont tu as besoin dans cette maison. Pourquoi cette maison est ennuyeuse? Bébé, tu sais que c'est... Pourquoi ne peux-tu pas garder tes jambes stupides en un seul endroit, Stella? Tu sais que c'est parce que j'ai une travail. Tu as perdu la tête? Es-tu folle? Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Désolée. Désolée, chérie. Je t'ai promis que ça ne se reproduira plus. Désolée. Je suis désolée. Je suis désolée. Désolée, va te tuer. Oh, que désolée, t'es-tu? Tu sais que c'est parce que je ne travaille pas. Tu ne travailles pas. Désolée. Disparais de ma vue. Pépé, désolée. Je dis, disparais de ma vue. C'est tout ce que tu dis. Tu ne travailles pas. Tu ne travailles pas. Tu ne travailles pas. Et puis quoi? Tu t'es sorti voir Abigail? Sorti voir telle personne? Sorti voir... Stella, pourquoi ne peux-tu juste pas rester calme dans cette maison? Je n'ai jamais dit que tu ne travailleras pas. Tu vas rester dans cette maison comme une femme ménagère, c'est ça? Qu'est-ce qu'il y a aussi? Qu'est-ce qui est aussi difficile à faire pour toi là? C'est difficile. Somebody tell me what to do now. Cause I'm dying slowly day by day. Because I'm a woman. Love is sweet. But we need to live in trust. Love is... As-tu une idée de où est-ce que Abigail est partie? L'as-tu vu ce matin avant qu'elle parte? Non, grand frère. Parce que j'ai appelé à la boutique et on m'a dit qu'elle n'est pas encore arrivée là-bas. Et puis, je l'ai appelée. Grand frère, j'étais sorti très tôt le matin pour pouvoir payer l'abonnement de notre décodeur et mon retour, elle n'était pas là. Alors peut-être que tu devrais essayer de l'appeler à nouveau. Oui, je l'ai appelée, mais son téléphone n'est pas joignable. Je crois bien que c'est une mauvaise connexion. Peu importe. Lorsqu'elle reviendra à la maison, fais-le-moi savoir. Aussitôt possible. Finding father, never go looking back. Finding father, we live as... Tu veux dire que jusqu'à maintenant, tu n'as toujours pas encore retrouvé ta femme? C'est exactement ce que je dis. Je suis en train d'essayer de l'appeler, mais elle est injoignable. Même pas sur les réseaux sociaux. Son numéro ne passe plus. Je suis sûr qu'elle a fait volontairement éteindre son téléphone. Est-ce que tu comprends ce que ma femme est en train de me faire? Ce que Abigail me fait? Calme-toi, bro. Odema, c'est bien. Pas de problème. Doucement. Écoute, Liliane. Je sais que Abigail, c'est son amie. N'est-ce pas, mon cœur? Écoute. Tu sais à quel point ce problème est délicat actuellement. Ce n'est vraiment pas le moment pour toi de la couvrir actuellement. Je t'en prie, je t'en supplie. Si par hasard tu sais où elle se trouve, dis-le nous. Je t'en prie. Je ne sais pas où Abigail se trouve. Je ne sais rien de tout ça. En fait, la dernière fois qu'on se vit, ça fait plusieurs semaines. Je ne sais pas où elle est allée. Ça fait des semaines? Oui. Ta mère, amie. Ça fait des semaines que tu l'as vue. Pas de problème. Si Abigail connaît chose, ce qu'elle fait. Elle a osé. Elle connaît vraiment ce qu'elle fait. Elle veut savoir ce que je vais faire. Pas de problème. Elle doit comprendre ce qu'elle fait. Elle doit le comprendre. Et elle doit savoir que... Elle doit savoir que... Elle ne va plus jamais l'oublier. Calme-toi, s'il te plaît. Qu'est-ce que tu te calmes? Tu n'as pas parlé avec elle, n'est-ce pas? Tu n'as pas parlé avec elle. Tu ne sais pas là où elle est. Si tu sais, vas-y, parle. Je ne sais pas. Madame. Donne-moi la nourriture. Je fais. Calme-toi. Alors j'apporte pour vous la nourriture.
Calme-toi, mec. Ah, c'est calme-toi, bon, non? Okay? Ah, ça, c'est pas possible. Mais est-ce que tu as pu aller chez Kelvin pour demander à lui et à... Kelvin et sa femme ont dit qu'ils n'ont pas vu Gabriel. Ah? Elle n'a pas raison. Où est ma femme? Encore j'ai mal fait. Ok, une femme mariée. S'habiller décemment. Si tu veux, de l'autre côté du pays, tu verras les femmes très belles et bien couvertes. Oh oui, je le dis à tout moment. Tu es une femme mariée. Habille-toi décemment. Je comprends. Elle a disparu. Je comprends, mon cher ami. C'est le même problème auquel je fais face ici. Non, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Mais qu'est-ce qui se passe? Où est-ce qu'Abiga, ma femme, est? Depuis le matin, son téléphone est éteint. Qu'est-ce qui lui est arrivé exactement? Est-ce qu'elle est partie avec l'un de ses gars? Non. Tu ne feras pas ça, Abigail. Tu ne feras pas ça. Au cas contraire, tu verras ma face B. Je suis sûr que tu n'as pas fait ça. En fait, je ne vais pas y penser. Non. Abigail, non, Abigail, pourquoi tu m'épouses? Pourquoi tu veux voir la bête à moi? Oh, ma jolie femme, je t'aime beaucoup, mais tu ne mérites pas la bête que tu invites, femme. Ça. C'est la liste des choses que j'ai besoin d'acheter. S'il te plaît, je veux que tu disponibilises l'argent le plus tôt possible. Tout ça pour la chevelure. Et même les fausses couleurs de ta sœur. Très bien. C'est grave. Abigail, donc finalement tu as décidé d'allumer ton téléphone. Dis-moi pourquoi tu m'as appelé, sinon je couperai l'appel.
Abigail, où es-tu maintenant? Réponds-moi. Où t'attends-tu que je sois maintenant? Si ce n'est pas dans l'une des maisons de mes nombreux copains. Oh. Mon amour. Apporte le sac de Chidi, s'il te plaît. D'accord, chérie, j'arrive. Très bien. Fais vite, nous sommes en retard. Maintenant, je commence à voir clairement. Non, c'est ça. Ok. Laisse-moi t'expliquer le scénario. Il a suffi que ma femme me dise ça. Et j'avais cru en elle. Juste après ça, j'ai entendu la voix de mon beau-frère à l'arrière-plan. Donc, ça veut dire elle est chez ma belle-famille. Tu vois comment elle est intelligente. Elle a choisi un endroit que je ne pouvais jamais imaginer. Jamais imaginer, vraiment. C'est vraiment très malade. C'est vraiment très futé ce qu'elle a fait là. Alors dis-moi, non, dis-moi mon gars, alors, que vas-tu faire dans ce cas? Est-ce que tu vas voyager au village pour pouvoir récupérer ta femme ou bien tu vas la laisser là-bas afin qu'elle revienne ici quand elle voudra? Non. Écoute, je vais aller au village pour prendre ma femme. Mais c'est ma femme. Non. Qui va préparer pour moi? Et tu vas à cette étape de ma vie. Hein? Aller dans la cuisine et chercher quelque chose à préparer. Non. Je vais aller la ramener moi-même. C'est ma femme. Ça, c'est bien. Je l'aime beaucoup. Hein? Oui. Tu vois, ces femmes, elles veulent qu'on les cajole. Je sais, c'est une stratégie. Elle veut que je prenne soin d'elle. Je vais la ramener là où on s'est vu la vous première êtes fois. Cette période-là. Et cela fait de toi le maître du jeu, tu sais. Cela fait de toi le maître du jeu, je te jure. Très malade. Tu doutes de moi? C'est pour cela que je suis un gentleman. Je te dis, mon cher. Ce n'est pas Lilia. Alors, comment s'est passée votre journée? Oh, c'est gentil. J'ai acheté ces repas pour vous quand je revenais du travail. Ouais, oh, c'est oui, gentil. Oui, monsieur, j'espère que vous allez aimer. Oui, j'aime beaucoup. Ok. Je l'apprécie beaucoup. Je dois retourner à l'intérieur, j'ai quelque chose à faire. Qu'est-ce que ta femme fait avec lui là-bas? Mon cher frère. Dans ta maison? Mon cher frère. Ça, c'est ce à quoi je fais face dans ma propre maison. Je me suis toujours plein auprès de vous, les gars. Non, mais est-ce que tu imagines ça? Est-ce que tu lui dois? Comment est-ce que je peux lui devoir, non, mon gars? Est-ce de ma femme qui veut tout le temps obtenir de l'argent maintenant, hein? Est-ce l'argent de ma femme qui... Ok, attends, attends-moi un peu, je reviens. Je ne peux accepter ça, non? Tout ça en est fini. Je dois mettre fin à ça. Mécanicien, amène ma voiture. Hein? Liliane. Et pourquoi tu m'as appelé pour... Liliane. Quoi? Liliane. Ma voiture. Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Liliane, pour la dernière fois, qu'est-ce qui se passe exactement entre toi et ce vieillard? Hé, Bouka, rien ne se passe entre lui et moi. Hein? Pourquoi tu continues toujours à demander? C'est quoi ça? Hein? Pourquoi tu te sens en insécurité? Tu dois apprendre à me croire. Hein? Comme ça, tu vas avoir la paix du cœur. C'est quoi ça? Hé, Liliane, calme-toi. Tu ne peux pas faire ça. Tu ne peux pas répondre à ton mari comme ça. Parce qu'il t'a posé juste une simple question qui demande... une simple réponse. Reste loin de ça. Les oiseaux de même plumage. Attends, comment tu dis ça? Comment tu dis ça? Es-tu malade? Es-tu malade? As-tu perdu ta sens? Comment oses-tu? Arrête, calme-toi. Comment oses-tu me tourner le dos? Calme-toi. Tu veux m'embarrasser devant mon ami? Ebouka, tu n'aurais pas dit la gifleur en premier. Mais elle est juste en train de m'humilier là. Non, tu es content de m'avoir frappé, non. Tu vois, tu te parler. Écoute, laisse-moi te prévenir que ce soit la dernière fois que tu verrais par là cet homme dans cette parcelle. J'espère que je suis assez clair. Je ne veux plus jamais te voir là-bas. Tu es une femme mariée, tu dois te respecter et il faut que tu comprennes ça. Comprends-tu cela? Laisse-moi. Laisse-moi tranquille. N'importe quoi, je te déteste. Non, mais peux-tu imaginer? Écoute, peu importe les problèmes, tu ne peux pas frapper une femme. Non, elle dépasse les bornes, non?
Calme-toi. Hein? C'est ce que j'ai toujours vécu ici, mon cher. Genre, si, tu n'étais pas là, qui allait croire ça? Ma tension artérielle risque de monter. Laisse-toi, c'est pas. Il ne va pas là-bas. Je te demande, qu'est-ce que cette bêtise veut dire? Je t'ai demandé 136 000 naira, mais tu m'as transféré seulement 100 000 naira. Pourquoi? Qu'est-ce que je ferai avec 100 000 naira? Et où est-ce que je vais trouver les 36 000 restants? Parce que je me rappelle très bien que tu avais dit à ton que Marie, je suis capable de satisfaire tous tes besoins. Alors pourquoi ne m'as-tu pas donné ce que je t'avais demandé? Réponds-moi. Stella, s'il te plaît, ce n'est pas bien que tu lèves la voix comme ça. Ezioku. Oui. T'es sérieux là? Je sais quand même expliquer les choses en face. Alors, s'il te plaît, calme-toi. À mon retour du travail demain, tu auras le reste de l'argent. Je t'avais supplié en te disant que à mon retour au travail demain, je te donnerai l'argent. Es-tu sérieux? Hein? Allez, écoute. Tu as intérêt à transférer l'argent qui était resté. Sinon, tu ne vas pas aimer ce que je ferai. Transfère cet argent maintenant. Comme ton mari, je sais que je t'avais promis que j'allais prendre soin de toi et en tout et pour tout. Mais ça ne peut pas arriver jusqu'à ce niveau. Pourquoi me crier dessus comme ça? Pourquoi? Oh. Pourquoi je suis en train de lever les tons sur toi, c'est ça? Allez, écoute-moi. Je rentre tout de suite dans la cuisine, continue le boulot que je faisais. Vire dans mon compte tout de suite cet argent. Sinon, tu ne me reconnaîtras pas. Tu n'as pas la cuisine, va même au ciel, partout où tu veux aller. Mais tu resteras femme ménagère dans cette maison. Prends soin de mes affaires, prends soin de tout ce que j'ai. N'importe quoi. C'est quelle bêtise ça? Mais... Biko, je vais te supplier pour quelque chose. S'il te plaît, peu importe ce que ton mari te demande de faire, fais-le. Ne compétis pas avec lui. Ne te compare pas non plus avec lui. Tu n'as qu'à faire simplement ce qu'il te demande. Et s'il veut que tu t'habilles d'une certaine manière ou que tu fasses quelque chose, je ne sais quoi, fais-le, n'argumente pas. Rappelle-toi que tu es une femme de ménage. Apprends à rester à côté de ton mari. Fais-le comprendre certaines choses. Hein? Je sais que des fois c'est dur, mais sache comment te faciliter la tâche. Biko, oh? Je suis désolée pour son comportement. Et donc... Ce que tu essaies de dire maintenant est que je dois donc adopter l'accoutrement d'une grande mère en mettant des blouses avec deux pannes. Mais tous les jours de ma vie... Simple, porte-le. Aussi longtemps qu'il veut que tu t'habilles comme ça, il n'y a pas de problème. Et je crois qu'il finira un jour par te comprendre. Hein? Ne t'aimais pas à te battre avec lui. Toi, d'accord. Tu es une femme vertueuse. J'ai entendu. Ok, merci. Pour que la paix règne dans cette maison, ne pense pas à tout ce que j'ai dit au village. Et c'est comme ça que je veux vraiment agir. Tu n'as pas besoin de te donner des maux de tête, mon cher mari. Je ferai marcher ce mariage. Léo, sois une très bonne femme soumise. Et juste comme je l'ai dit. Je l'espère. Dozika a mis quelque chose d'intéressant dans ta tête. Je ne sais pas pourquoi. Les belles femmes sont têtues, je ne sais pas. Essayons de nous respecter nous-mêmes. S'il te plaît. Je crois te l'avoir dit. Que je ferai exactement ce que tu me demandes. Merci Seigneur. Ouh.
Bonjour, les jeunes couplets. Oh, tu es très belle, tu sais. Allez, chérie. Liliane. Merci, madame. Je vous ai juste salué. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah non, 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 je saurai quoi faire. Quoi? Ils m'ont ignoré. Ensemble, non. Ils vont quitter cette maison. Même Liliane. Elle ne s'est jamais comportée comme ça. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas quelque part. À part ce qu'on s'était dit, il n'y a pas de problème quand les femmes font le tout pour surmonter les comportements. Les femmes. Les gars, finalement, ma femme a accepté de s'habiller de manière dont je veux qu'elle s'habille. Waouh, ça c'est la bonne, très bien ça. S'habiller comme une femme Igbo. Waouh. Elle doit ressembler à Igbo. Ma femme doit s'habiller comme une femme Igbo. Il n'y a rien de Ibotique ou Ibo-san, non. Ibo Kwenu. Yeah. Ibo Kwenu. Yeah. Okwezono. Hey. Ah. Tu as frappé fort, toi, là. Tu sais, au début, je ne te croyais vraiment pas du tout, mon cher. Depuis le jour où j'ai frappé ma femme, Liliane, elle a complètement coupé les ponts avec ce vieil homme-là. Et c'est ce que je voulais. La paix du cœur, et c'est ce que j'ai maintenant. Vous savez... Tu vois, c'est tout ce que j'ai toujours voulu. S'habiller proprement si elle veut sortir. Ne pas montrer ma propriété à ces jeunes garçons. Ouais, tu sais... Vous comprenez, maintenant je vais avoir la paix dans mon foyer. Décidément, c'est ce que tout homme veut. Mais malheureusement, je ne peux pas trouver ça dans ma maison. Pour être vrai, j'ai essayé de comprendre ça. Mais par aucun moyen, j'ai compris. Mon cher, c'est la vérité. Je ne mens pas, Vincent. Mais tu m'avais dit l'autre fois que ta femme avait rejeté l'idée de travailler. Elle n'a pas du tout fait ça. J'essaie de comprendre ça, mais finalement, je vous dis que je n'arrive pas. Il n'y a pas de choses sur son visage, même pas un peu. C'est tout le temps qu'elle pète le blanc. Ah, écoute, mon gars. Hein, calme-toi un peu, ok? Elle va arrêter ce qu'elle fait là, donne-lui un peu de temps. Crois-moi sur ce coup-là. C'est ce que les femmes font, en tout cas. C'est ça leur jeu. Sors avec eux. Fais-lui un plaisir. Et toi, frapper une femme, c'est pas bien. Mon frère, mais c'est ça. Bien aussi de les frapper un tout petit peu. Mon frère. Et comme ça, elles vont se calmer. Mais tu étais là, non? Tu as vu ce qui s'est passé? Oui, elle m'en a parlé. Une veste. Dis-moi pour quelle couleur? Rouge? Ok. Je te fixe. Un instant, je te rappelle, ok? D'accord, merci. Hey! Qu'est-ce que je vois? Ah! C'est quoi ça? Oh mon Dieu! Tu vas dans une réunion de femmes? Ma sœur! Qu'est-ce qui se passe? Donc tu as finalement accepté de t'habiller correctement comme ton mari le voulait? Hey! Ça c'est incroyable! J'essaie de faire marcher mon mariage. Ça doit marcher pour moi, oh! Mais tu vois, Vincent, relax. Il a un rôle à jouer dans ça. Qu'est-ce que tu veux dire? Qu'est-ce que tu veux faire? Lui ramener le jeu. Il a le courage d'échanger ma garde-robe pour ce genre d'habits. Hein? Hey. Devine quoi? Ça sera la tenue pour toute la maison. Comme ça. Vraiment. Exactement. Jouer au CG contre eux. Oui.
Donnons-les ce qu'ils veulent. Mais je pense qu'on doit aller voir Stella. Comme ça, nous pouvons l'intégrer à ces jets. Ok, si tu dis, il n'y a pas de soucis. Oui. Je ne peux pas faire ces combats toute seule. Je tourne un peu, je vais te voir. Hey! Hey! De me regarder. Tu es vraiment en panne. Ces hommes veulent nous tuer, oh! Hey! C'est vraiment comme à l'ancienne époque. Je prends mon sac. Rouge, rouge. Je cherche une veste rouge. Allons-y voir. Abigail, tu es vraiment forte. En tout cas, je te félicite. Comment peux-tu accepter de t'habiller de cette façon en public? Non, je préférerais rester à la maison. Est-ce que j'ai un choix à faire? Néné, maman. C'est vraiment ça. Tu sais quoi? Je m'habille comme ça pour garder un climat de paix. Enfin, d'aller faire le shopping pour lui aussi. Le jeu est sur le point de commencer. Stella, es-tu avec nous dans ce jeu? Es-tu sérieuse? Du genre, si je suis avec vous dans ces coups? Du fait que Kevin a dit que je ne dois pas travailler. Alors, il doit commencer à payer. Es-tu sérieuse? Comment est-ce que tu vas les faire? En lui demandant de l'argent et en criant. Oui. Je fais le calcul, donc j'ai évalué le prix de toute cette maison. Voyons s'il saura gérer ça. Je t'ai sauvé. C'est vraiment sérieux. Restons tous branchés pour que nous puissions nous divertir dans ce jeu. Oui. Savez-vous que c'est un homme capable? J'ai besoin de voir sa capacité. Non, je suis sur mon chemin. Je serai là, genre, maintenant. Oui, madame. Donnez-moi juste quelques petites minutes et je serai là. Salut, pute. Si tu oses encore appeler mon mari, je finirai avec toi. N'importe quoi. Liliane, je comprends pas. Que veut dire cette bêtise que tu viens juste de faire? Que veut dire cette bêtise que tu viens à peine de faire maintenant? Alors, écoute-moi, Ibuka. Tu es un homme marié et moi, je suis légalement et traditionnellement marié à toi. Tu dois arrêter de communiquer avec toutes ces petites filles. Et arrête de les appeler. N'importe quoi. Prends ton téléphone. Je suis comme si j'étais enfermé dans une prison. Jésus-Christ de Nazareth. Il n'y a pas le temps pour ma femme. En quoi est-ce que ces femmes sont en train de se changer au juste? Waouh. En quoi est-ce que ces femmes sont en train de se changer exactement? Je comprends rien. Tu veux dire qu'Abigail a échangé tous tes habits les plus chers en cette merde? Mon cher, j'étais parti à la maison. La nuit dernière, après, tu sais, cette dispute. Ouais. Elle a crié. J'ai pas dormi. Ce matin, elle s'est précipitée pour partir parce qu'elle avait des clients qu'elle devait s'en occuper. Je ne l'ai pas vue. Alors, je suis allé prendre bain. Je voulais venir au travail. J'ai ouvert ma garde-robe. Les gars, c'était vide. Waouh. Je n'ai rien trouvé. Ça, c'est le seul habit que je pouvais trouver. Et tout le reste, elle a jeté. Waouh. Peux-tu imaginer cela? Elle s'est enfouie de la maison. En me laissant comme ça. Peu importe, ne vous inquiétez pas. Je vais rentrer à la maison. Je vais rentrer à la maison. Et si je découvre qu'elle n'a pas encore remis mes habits, elle me dira si c'est elle le mari ou c'est moi. Tu as raison. Ce n'est pas amusant, mais le mien, c'est différent. Vous savez que Stella est devenue soudainement trop exigeante. Stella me demande maintenant l'argent à tout moment et pour des choses frivoles. Kevin, je vais te blâmer. Je vais te blâmer. Comment? Je vais te frapper. Ne parle même pas, mon gars, s'il te plaît. Ne dis rien.
C'est bien toi qui lui as donné de l'argent, n'est-ce pas? Si tu ne lui avais pas donné de l'argent, comment est-ce qu'il allait l'utiliser? Dis-moi, par quelle magie? Je vais vous poser une question. Ai-je fait quelque chose de mal à mes mariants? Pas du tout. Nous n'avons rien fait de mal en nous mariant, bro. Pas du tout. Ces femmes ont l'air d'avoir fait une sorte de réunion quelque part et là, elles nous prennent pour des fous. Oui, elles nous prennent pour acquis. Oui. Si elle a décidé de me prendre comme ça, c'est le moment qu'elle doit arrêter. Quand tu dis que tu vas y mettre fin, c'est comme si tu nous écartais. Actuellement, ce qu'on devrait faire, c'est nous tous ensemble. Nous devons y mettre fin ensemble. Je ne peux pas... Ça devient incontrôlable, oh. Imagine ça. J'espère que madame va accepter cet habillement-là. Parce que tu aurais un problème si elle te voit avec cet habillement-là, oh mon gars. Vous savez, elle veut d'une personne. Exactement, mais en fait, tu vois, tu comprends ce que je veux dire. Et même ce qu'elle fait là, ça prendra fin. Où est-ce que tu as mis mes habits? Pourquoi ma garde-robe est vide? T'ai-je envoyé? T'ai-je demandé? Étant qu'un homme marié, j'ai juste réalisé que tu n'as pas une autre femme pour t'admirer ou encore impressionner si ce n'est moi. Et c'est pourquoi je t'ai acheté ces habits à mon goût pour que tu... Et tu les portes pour moi. Qui la foudre s'abat sur toi. Qui la foudre s'abat sur toi, Abigail. Tu es folle. Écoute, je ne suis pas intéressé de ton habillement. Hein? Je ne vais pas suivre ton habillement. Tu sais ce qui est bon pour toi. Hein? Va dans la chambre, peu importe où tu as mis mes habits. Rapporte-les ici ou rapporte-les là où tu les as trouvés. Seigneur des anges. Pourquoi mon mari peut prendre ma sincérité pour une blague? Je ne plaisante pas. Tu seras en train de porter tous ces habits. Pour moi et pendant que moi, ton adorable femme, je serai aussi en train de porter tout ce que tu me demanderas de mettre. Abigail, ne me provoque pas. Ne me provoque pas parce que tu vas voir ma face B. Tu verras ma face B. Je veux mes habits. Retourne le mien. Si tu me le remets, je donne aussi les tiens. Hein? Abigail, papa, tu me défies. Tu as pris mes habits et tu les as cachés. C'est toi qui as commencé en premier. J'ai fait d'autres. Bon travail. Tes habits, moi aussi. Regarde comment ça te va, chérie. Abigail, si je compte jusqu'à 3, tu te précipites pas vers la chambre pour amener mes habits. Hein? Ce qui va t'arriver ici, hein? Tu ne vas pas y croire. Hein? Je m'en fous. Appelle-moi tout ce que tu voudras, mais je vais te tuer aujourd'hui. Hein? Hein? Tu veux me menacer? 2? Vraiment me menacer? 3? Ok. 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 Tu me menaces vraiment? Ok. Tu me laisses l'hésitation. Arrête! De l'eau! De l'eau! Grand frère! Qu'est-ce qui se passe? De l'eau! Non! Arrête! Tu as dit quoi? Mais qu'est-ce que tu as fait? Fais vite, de l'eau! Je ne vois plus! Tu n'as plus rien vu d'ailleurs! Tu n'as pas répondu à ma question. J'ai dit, qui es-tu? Hein? Et pourquoi appelles-tu mon mari à cette heure la nuit? Que veux-tu? N'as-tu pas une famille? Hein? Tu n'as pas de mari? Pourquoi tu l'appelles? Parler avec qui? C'est quoi ces bêtises?
Maintenant, laisse-moi t'avertir pour la dernière fois. La prochaine fois que tu vas appeler mon mari, tu n'aimeras pas ce que tu verras. N'importe quoi. J'ai entendu mon téléphone sonner. Est-ce que tu... Prends. Quoi? Mon Dieu. Qu'est-ce que tu as fait? Est-ce que tu sais l'appel de qui tu viens de prendre maintenant? Ma directrice générale? Même si c'est une déesse. Alors, en quoi ça me concerne? Écoute-moi, pourquoi cette femme peut t'appeler à 7h la nuit? Hein? C'est quoi ce genre de choses? Je t'ai déjà dit que quand tu finis avec les boulots, tu es tout à moi. Et toutes ces petites sales filles, tu dois être loin d'elles. M'as-tu entendu? N'importe quoi. Elle t'appelle à 7h la nuit et tu me dis que c'est ton manager. Et tu veux me faire comprendre. Tu peux me laisser dormir. Pourquoi tu me le dis? C'est quoi? Kevin, attends, j'aimerais te poser une question. Suis-je ta femme ou soit une serpillère que tu as ramassée? C'est vous. C'est quel genre de questions stupides comme ça? Même une seule fois, m'as-tu déjà vu te traiter comme ça de l'autre? Si tu ne m'as jamais traité comme ça, alors pourquoi à chaque fois que tu te soucies de moi, c'est quand il s'agit du sexe et du sexe? Hein? Je t'ai demandé une simple chose, une toute petite, mais tu n'as pas pu me donner de l'argent pour l'acheter. Une simple perruque brésilienne, tu refais de me donner l'argent pour l'acheter. Et te voilà en train de me demander du sexe à tout moment. Écoute-moi, monsieur. Il n'y aura plus de sexe jusqu'à ce que tu vas m'acheter ce que je t'avais demandé. Ce n'est pas juste ça. Non, ce n'est pas juste. Je suis ton mari. Comment peux-tu te permettre de me le refuser comme ça? Hein? Ça, ce n'est pas juste. Oh. Si tu peux même me laisser juste faire entrer et faire sortir, c'est bon pour moi. C'est pas juste. Monsieur Ibuka, tu dois appeler ta femme ou l'autre. Et son interception de tous tes appels n'est plus du tout bonne. Juste la nuit dernière, elle m'a traité de pute. Moi, Madame Choma, une pute. Écoute-moi très attentivement. La prochaine fois qu'elle répète ceci, je te chasserai de cette compagnie. Tu retourneras à la maison pour aller habiter avec elle. J'en ai marre de ces bêtises. Je suis vraiment désolé, madame. Je suis désolé. Ça serait mieux que cela ne se répète plus. Monsieur Ibuka, tu es l'un des meilleurs employés que nous avons dans cette compagnie. Mais crois-moi, cela ne signifie pas que tu ne peux pas être écarté. Oui, vous dites. Veuillez voir ça, s'il vous plaît. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est dont tu ne peux pas me permettre d'aller vérifier dans mon bureau, vraiment? Monsieur Calvin? Oui, madame. Es-tu en train de jouer à un jeu?
Non, madame. Je ne ferai jamais ça. Alors, y a-t-il quelqu'un qui te fait du chantage? Non, madame, pas du tout. Je ne vais pas approuver ta demande. Le niveau de ta demande est vraiment exagéré. Pourquoi n'as-tu pas attendu la fin du mois avant de venir dans mon bureau pour me demander l'argent ou je ne sais moi? S'il te plaît, prends-moi ces bêtises. Je ne vais pas approuver cela. Sors. Dehors. Sors d'ici. Retourne dans ton bureau. C'est quoi ces bêtises? Oh mon Dieu! Abigail, qu'est-ce que tu fais ici? Non, qu'est-ce que tu es venu chercher ici au travail? En s'habillant comme ça? C'est quoi tout ça? Ça vient d'où? Tu as pris le courage d'établir cette façon pour le boulot. Abigail, aujourd'hui c'est vendredi. Je dois être bien habillée. Tu veux que cette petite fille de votre entreprise commence à être attirée par toi, c'est ça, non? Mais qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Mon cher mari, je t'ai apporté quelque chose. Le monde qui convient à un vrai homme africain. Ça s'appelle 1 500 francs. Abigail, as-tu commencé à filmer quelque chose que je ne connais pas? Ok, tu as honte de te changer ici. On va à la maison. Tu peux mettre ça, chérie, ça va bien t'aller. Hein? C'est noir, blanc. Abigail, fais attention. Ici, on est au bureau, Abigail. Peux-tu me faciliter la tâche pour que tu changes d'habit? Tu veux que je le force à... Tu veux que je te le fasse porter de force? Enlève cet habit. Abigail, on est au bureau, non? J'ai dit que tu l'enlèves. Enlève-le lentement. Allez, lâche ma main. Fais entrer ta tête. Mais Abigail, qu'est-ce qui se passe, non? Pourquoi tu es en train d'embarrasser ton mari comme ça? Restez loin. Ne vous impliquez pas dans les choses qui ne vous concernent pas. Restez loin. Mon ami, ce n'est pas si difficile de le porter. Madame, s'il vous plaît. C'est quoi ça? Oh, c'est donc elle, hein? Non. C'est elle la raison de cet accoutrement. Non. Abigail, calme-toi, non? Allez, approche. Oh. S'il vous plaît, calme-vous. Mais pourquoi ça fait ça, mec? Essaye de prendre ça, s'il te plaît. Toi. Il ne me provoque pas. Et qu'est-ce qu'il prend? Tu me connais. Abigail, on est au bureau. Porte-le. Mais calme-toi. C'est ici ton bureau. S'il te plaît. Qu'est-ce qu'il ne va pas avec toi? S'il vous plaît, qu'est-ce qu'il y a? C'est moi. Calme-toi. Qu'est-ce que tu m'appelles, maman? Doucement, calme-toi. Retourne à l'intérieur, s'il te plaît. Laisse-moi. Mais Abigail, qu'est-ce qui se passe au juste? Une fille inutile. Tu l'embarrasses inutile ici. Inutile de mari. Je me suis décidée de vous suspendre tous les trois. Parce que je finis par réaliser que vous tous, vous avez les mêmes problèmes. Et je vis tout ce que vous avez fait le week-end. J'avais tout vu. Et j'ai aussi tout entendu. Comment est-ce que des hommes beaux et intelligents comme vous, vous vous êtes permis d'être des idiots et vivre dans des bêtises? Vous êtes fous! Fous! Maintenant, dis-moi, as-tu permis à ta femme de s'habiller de cette façon là où tu travailles? Seras-tu fier de sortir avec elle habillée de cette façon? Je suis sûre que la réponse est non, tu ne peux pas faire ça. Je suis sûre que tu n'es pas content d'être habillée de cette façon. Pourquoi veux-tu qu'elle le fasse? Pourquoi veux-tu qu'elle s'habille de cette façon? Je suis très déçue de vous pour avoir essayé de perdre cette beauté. Ha! Vous savez quoi? Je veux juste que vous puissiez sortir de cet endroit. Vous tous, sortez! Sortez de ma vie! Sortez! Sortez, 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 sortez! S'il vous plaît, sortez! Sortez-vous tous! Non, non, non! Dehors! Dehors! Dehors. Voulez-vous que j'appelle la sécurité? Madame, il faut que je prenne... Non, vous n'allez rien prendre. Si vous avez oublié quelque chose, on va vous les apporter. S'il vous plaît, madame. Sortez! Les idiots!
J'ai tout vu. Et j'ai aussi tout entendu. Comment est-ce que des hommes beaux et intelligents comme vous, vous vous êtes permis d'être des idiots et vivre dans des bêtises? Vous êtes fous? Fous! Ah, mais non, dis-moi. Es-tu fier de voir ta femme habillée de cette façon là où tu travailles? Seras-tu fier de sortir avec elle habillée de cette façon? Je suis sûre que la réponse est non. Tu ne peux pas les faire. Et je suis sûre que tu n'es pas content d'être habillée de cette façon. Pourquoi elle doit les faire? Pourquoi veux-tu qu'elle s'habille de cette façon? Je suis vraiment très déçue de vous pour avoir essayé de perdre cette beauté. Evuka, qu'est-ce qui ne va pas? Ces derniers jours, tu n'es pas vraiment dans ton assiette. Qu'est-ce qui ne va pas exactement? Laissez-moi seul, je vous prie. Te laisser seul, c'est ce que tu dis? Laissez-moi tranquille, monsieur, je vous prie, je vous prie. Beaucoup de gens ont des problèmes. Ils font tout ce qui est de leur possible pour arranger les choses. Lorsqu'on amène à faire des choses différemment, nous amène aussi à avoir des solutions différentes. Ebuka, je te laisse avec tes problèmes. Je suis vraiment désolé pour tout ce que j'ai fait. Toute la douleur que j'ai eue à t'infliger. Je veux que tous les deux reprenions à zéro. Je t'en prie. Plus jamais de ma vie. Jamais. Je ne douterai de ta loyauté envers moi. Je suis désolé. Je t'en prie, pardonne-moi. Je t'en prie. Je t'aime. Thank you.
te plaît. Je suis vraiment désolé de voir t'habiller comme ça aujourd'hui dans mon bureau. J'ai réalisé combien de fois j'étais stupide en insistant que tu dois porter ce genre d'habit à tout moment en croyant que c'était un bon design. S'il te plaît, je suis vraiment désolé, pardonne-moi. N'est-ce pas que j'ai ajusté mon accoutrement à ton goût? Tu devais plutôt être heureux. Je voulais juste que tu réalises la même douleur que moi. S'il te plaît, pardonne-moi. Je suis désolé. Ah. Je suis désolé. Je ne veux plus de tout ça. Non. Tu es une très belle femme. Un design qui a été fait parfaitement et tu dois le savoir. Regarde. Je te donne l'opportunité de t'habiller de toutes les manières. Tu te sentiras confortable et tu seras décent. C'est pour cela que j'ai amené quelques habits pour toi. Alors tu vas te sentir libre pour montrer vraiment ta beauté. Lève-toi, chérie, je suis désolée. Oh, bébé, lève-toi, désolée pour l'embarras. Désolée. Que je t'ai causé, lève-toi. Merci. Je ferai tout pour toi. Tu es ma femme. Tu es ma vie. Et je t'aime beaucoup. Mon mari, je t'aime énormément. Oui, je suis vraiment très content pour toi, mon cher grand frère. Je suis heureux que tu aies enfin fait la paix avec ta femme. Tu sais, la Bible dit que là où il y a la paix, il y a le progrès. Je suis heureux. Et je prie en tout cas que cette paix continue de régner. Amen. 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 Viens avec nous. Un câlin. Le studio de doublage d'Aforevo vous propose des services de doublage haut de gamme dans plusieurs langues.